le Québec, quelle belle province! Quand on pense au Québec, on pense à la poutine, au sirop d'érable et au hockey. Et les Québécois sont notamment reconnus pour leur accent. Et ça se voit vraiment quand je m'en vais dans les lives des streamers français. Hey! Nihilienator! Comment ça va, mec? Ah ouais? Toi, comment ça va? Ah! T'es Québécois? Oui. Hey, mon esti tabernac, là, je vais rider mon char avec ma blonde, on va aller manger une poutine en gadin. Oui, c'est chiant. Mais c'est pas le seul cliché qu'on nous donne. Les Français, pensez-vous vraiment qu'on mange la poutine le matin, midi, soir? Oui, on est dans le pays de la poutine, mais on n'en prend pas tous les jours, même pas une fois semaine. Il y a juste à regarder comment est constituée la poutine. Il y a trois ingrédients principaux. Une sauce brune très salée et très grasse faite à partir de bouillon de viande, du fromage en grains, aussi appelé du fromage quick-quick, et des frites. En gros, c'est bien simple. Si tu manges ça à tous les jours, tu vas ressembler à ça. Ou tu peux même mourir avant. Par exemple, le sirop d'érable, ça, on en mange plus souvent, mais encore une fois, en quantité raisonnable pour ne pas ressembler, encore une fois, à ça. Le hockey, ça fait vraiment partie de nous. C'est notre sport national. On a une équipe, les Canadiens de Montréal, qui ont gagné le plus de fois de la Coupe cette année dans l'histoire de la NLH. Mais ces dernières années, malheureusement, ils étaient à chier! C'est pour ça que je supporte Toronto. Hey, c'est une blague, là! Croyez pas tout ce qu'on vous dit? C'est vrai qu'ils sont poches, par exemple. Mais faut que je parle de quelque chose. Ceux qui pensent que tous les Québécois sont des bûcherons qui vivent dans une petite cabane perdue dans la forêt, qui bûchent du bois toute l'année en plein hiver... Arrêtez de vivre dans une grotte, là. Non, la majorité, on vit comme des personnes normales, en ville ou en banlieue, campagne, etc. Oui, on a des gros hivers. Bon, OK! Je suis dans la rue chez nous. Quand je voyais rien, je fesse d'une rafale de 6 pieds en regardant mon pick-up. Par exemple, pas toute l'année. Non, vraiment, ceux qui pensent qu'il fait frais au Québec toute l'année, là, je les imagine exactement comme ça. Ah, le Québec, non, jamais de la vie, je voyage là-bas, moi. Il fait bien trop froid. Il fait moins 30 toute l'année. Oh non, c'est une dinguerie, on caille. OK, est-ce que tu savais que l'été, il fait 30 chez nous? Mais non, qu'est-ce que tu dis là, mec? C'est gelé toute l'année. Vous vous déplacez avec tes traîneaux à chien tellement qu'il fait froid. Mais tu sais, quand même, c'est cool l'hiver pour le ski, la tire sur la neige, le patin à glace, puis toutes les belles autres activités d'hiver. Oh, c'est ma saison préférée, c'est pas pour rien. Mais bon, même avec tous les clichés que vous avez donnés, les Français, on vous aime quand même. Alors si toi aussi tu aimes le Québec, abonne-toi à cette chaîne. Moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Nihilienator, fier Québécois. Ciao! Je suis né dans les années 70 dans un Québec en plein changement où l'emblème de la fleur de lys donnait un peu d'espoir aux gens. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je suis donc pas fier de ma patrie. Ça dort aux gosses d'un bungalow, de QSC sur le statu quo, en se gavant de téléromans et de talk shows les plus stupides se laissant mourir sur le divan avec leur petit air. Quand t'es dans ce royaume de la poutine, on se complaît dans médiocrité, bien satisfait de notre routine et du bonheur préfabriqué.